Il aime le thème naturel. On va prendre quelqu'un. Allô? Lui, il a appelé hier, il va se fâcher. Allô? Alaykoum salam wa rahmatoullahi wa barakatou. Je suis désolée, vous avez appelé plusieurs fois hier. Il a beaucoup appelé hier, le monsieur. Désolé, hein? Wallahi, wallahi, désolé. Oui, oui, oui. Bienvenue, bienvenue, on vous écoute. Voilà, moi je vais communiquer à Chichou, quoi. Ah, allez-y, Ké. C'est l'arabe qui me fait. Allez-y, allez-y, Wongai. Soumarame. Soumarame, Wongai. Voilà. Donc, non, Attendez, hein. Allô? Salam alaikum. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonsoir madame, vous allez bien? Ça va, alhamdoulilah. Vous aussi, j'espère. Je vous appelle depuis le Sénégal, au Sénégal. Uh-huh. C'est juste pour saluer votre travail et votre courage. Uh-huh. Et vous remercier aussi. Ah, Dieu merci. Merci à vous aussi. Nous vous remercions infiniment. Uh-huh. Et pour votre détermination. Ouais. À cause de notre pays. Uh-huh. Je voulais intervenir sur le sujet d'aujourd'hui là. Uh-huh. Vous me recevez bien? Très bien, très bien. Allez-y, très bien même. D'accord. J'ai dit sur le premier sujet là, sur le message de CDD d'hier. Oui, oui, allez-y. Vous savez, il y avait beaucoup de gens qui lançaient des messages comme ça. Uh-huh.
Mais la qualité, c'est de s'engager de cette message. Oui, oui. Pour que ça soit passé. Pour que ça passe. Oui, oui. Pour que ça soit entendu. Aussi. Oui, oui. Au niveau national et international. Mm-hmm. Vous savez, en Guinée, mm-hmm. il fallait que nos leaders nous aident pour que ces choses-là terminent entre les Guinéens. Oui. Pour que ça soit stoppé définitivement. Mm-hmm. C'est seulement les leaders qui peuvent s'engager de cela. Oui. Que ça soit les leaders politiques ou les leaders de la société civile. Mm-hmm. C'est à eux mm-hmm. seulement qui ont la parole. Comme ça, si c'est eux qui se sont impliqués, oui. la population s'est bien appréciée. Oui. D'accord. Mm. J'ai dit sur le deuxième sujet là, ah. pour l'assainissement de nos villes en Guinée qu'on a créées. Oui. Il fallait que nos mairies s'engagent de ça. C'est aux mairies de s'engager, mm-hmm. de prendre leurs responsabilités, mm-hmm. d'utiliser le fonds de l'État mm-hmm. pour pouvoir enseigner nos villes. Mm-hmm. Ce n'est pas seulement au président de s'engager, c'est aux mairies. Mm-hmm. Si je prends un exemple ici au Sénégal, mm-hmm. vous savez, mm-hmm. chaque quartier, il y a ce qu'on appelle Badjenou Goa. Mm-hmm. Les Sénégalais disent Badjenou, comment dire ça, les tantes du quartier. Oui. C'est à eux de rassembler les gens du quartier, les femmes du quartier. Ils oui, monsieur, écoutez, c'est pas pour vous couper, hein. Écoutez. Ce que vous dites là, vous avez parfaitement raison, mais il faudrait savoir une chose. La Guinée n'a jamais connu ce genre de structure bien, bien définie. Les ordures qui sont en Guinée, c'est depuis que la Guinée est Guinée. Il y a une montagne, je ne sais pas, ça s'appelle comment, Combos ou quoi. Donc, il faut un truc à grande échelle. Ce que vous dites là, pour un départ, il faut que le gouvernement s'investisse. Parce que ce n'est pas une petite affaire. Si on est prêt que nos âmes soient propres, il faut le faire ainsi. Le mairies là, attendez, laissez-moi finir, s'il vous plaît. Les mairies ne sont même pas encore là. Donc, avant que les mairies n'arrivent, si l'État a pris ses dispositions, vraiment, tout le monde a pris ses dispositions, parce qu'il faut finir avec ça, mon frère. Les ordures, ce n'est pas comme l'électricité. Les ordures, ce n'est pas comme l'eau. Les ordures, c'est nous qui les produisons. Ça vient de nous, quoi. Donc, il faut que l'État s'engage. Il ne faut pas jouer avec ça. Il faut que l'État vraiment s'engage à limoger les maires ou à les dégager s'ils ne le font pas correctement. Pour un départ, l'État doit faire un truc dessus. Par contre, je vais vous laisser parce que vous avez déjà un peu parlé. Il faut que les autres aussi parlent. Il y a du monde. Voilà. Aujourd'hui, vous n'allez pas trop garder les trucs parce que... il est où? Il y a un monsieur là. Ok, voilà. Voilà. Allô? Allô? Ah. Oui, salam alaikum. Alaikum salam, rahmatullahi wa barakatuh. Salam. Ok. Salam, alhamdulillah. Ah. Vraiment, Maria, intervention de le suivi. Ah. Mais nous allons la parler finalement. Amina. Vraiment, Amouda Ngimaïda, premier sujet, alors concernant Guy Kobiti Fema. Ah. Nous avons vraiment IFDG militaire. Nous avons militants familiers, nous avons observé. Nous avons observé les réseaux sociaux. Parce que particulièrement, nous avons des militants. Nous sommes IFDG. Il faudra avoir la fête parce que nous avons intervenu, mais là, mais là, on va tirer ma fala. Non, tirer ma mais c'est la première fois que je parle de les réseaux sociaux. Parce que, après, le parti politique s'est pris. Birin a lutté qui est mal. Effectivement. Il y a une lutte à Bama qui est bête. Défendant à Bama qui est bête. Bon, défendant à. L'éducation m'a permis à la fin de l'année de réseaux sociaux.
ne va pas la alia et tu qui rafaire là. Manon entre les réseaux sociaux ma. Aha, redinanti ma mère ma aide finir ma. Aha. Alors état manière ndé, alors wo manière manière ndé. Mhm. Particulièrement nan na des relief DG en 2012. Parce que moi, je ne suis pas dans un pays. Ok. Donc, je suis en 2012. Ibrahim Assur Kamara, d'abord, je ne sais pas si je suis en train de faire des militants. Je suis en train de faire des militants. Je suis en train de faire des militants. Parce que le leader est en train de faire des militants. Na va ma éducation ma temo de na éducation na to ni ano ma huri man no na va ma quartier di mebe bravo bora donc ibra me solo na ngani ya pj mais ma première rencontre mono era el chelo mo fa a quoi ni so nombre 5 personnes parce que nous avons fait des modèles qui planète FM, nous avons mangé un petit peu de temps. Mon intervention n'a pas mené. Mon a été direct. Donc, mon a été là, c'est lui. Nous avons fait parce que pour moi, il fallait qu'il y ait un peu de temps pour prendre ma café. Ah oui, oui, oui. Donc, mon fils, il y a un peu de temps. 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 Mais ça va faire à Mishinde Barafa à partir à déplacer dans la réunion à la boule d'un homme à mettre un matin et tout à faire un mouto à l'enfant à l'enfant parce qu'il y a un leader à la Bangoura parce qu'il y a un Abdallah Bangoura et même un Abdallah y a pris et Maki a touré l'Iraï d'un bras et qu'il n'est mon nom donc à la c'est toi Abdallah Naoui à la Toli à la bienvenue. On sait c'est un père de famille qui n'a pas qu'une de qui n'a mis molinara depuis la loi Anna Sira Nana n'a pas fait partie Anna a fait une des touma parti qui ma volonté m'a rendu dans ma mère mais on a parti politique pris il fait que tu es parti et diamana et à qui mandarana et yo na oui. Il y a des gens qui ont été en parce que ma société de projet. Parce que bien là bas araba et afin ira on va à Kianako on va la lutte ne mérera mérera lui parti ma alco parti sembe soto ma Kiana deuxième thème na qui a finissement vraiment madame na bon on dira mais finissement vraiment à bon ira fin tank halara ba bon qui bon ira mara passe parce que à la moi mon aura comme Donc, il y a un gouvernement qui a été imposé.
D'aller de Moussa Kari. Donc, l'homme n'a pas de l'aide. Pour moi, parce qu'il y a des nages. Oui. Il faut aider. Merci. Merci, Bangoura. Merci beaucoup. Ça, c'est Monsieur Bangoura de l'UFDG. Monsieur Bangoura de l'UFDG qui a intervenu. On va prendre un autre. Allô? Allô? Toi, tu es en train de te bagarrer avec tes bols, donc on va appeler quelqu'un d'autre, hein? Ouais, faut finir de te bagarrer là-bas d'abord avec tes assiettes, là. J'appelle quelqu'un d'autre. Allô? Allô? Comment ça va? On est en direct. Bonsoir. Ok. Ça va, alhamdoulilah. Moi, je me suis animé. Le truc un peu. Je suis tombé sur quelque chose. Je crois que c'est Kabakoudou. Je vais bien remettre ça un peu là. Non. Il ne faut pas mettre ça, pardon. Pardon, Yandi. Je te demande pardon. Ah, ouais, fait de Mouinana. J'ai entendu parler de ça, mais je n'ai pas écouté d'abord. Ok, je Bon, si celui qui dit de le rappeler là, le cancané là, quand je t'appelle, il faut bien te positionner hein, pour ne pas faire trop de bruit avec tes bols, je ne sais pas là où tu es. Oui, allô? Comment ça va? Bonjour. Oui, comment allez-vous? Vous allez bien? Ça va, alhamdoulilah. Vous aussi, j'espère. Ah, je ne me bagarrerai pas avec des bols, mais plutôt avec mon écouteur. Ah, ok. Ok, d'accord. Oui, allô? Oui, allô. Voilà, concernant le sujet, vous savez, madame, en Guinée, sur la scène politique, elle a fait le CDD, n'a jamais tenu des propos incendiaires. Oui. Même si ses conseillers lui fait ses arts de conseil, il ne peut pas dire ce qui ne ressemble pas à un élément du rassemblement. Il ne va jamais dire ce qui n'éduque pas ses militants. Oui. Et concernant ce qu'il a dit au niveau des injures des militants et des sympathisants sur les réseaux sociaux, au niveau des radios, c'est une manière encore de plus. Il a montré que les militants de l'IFDG sont éduqués. Et ensuite, il ne veut jamais voir
et entendre César de Sauge. Mm-hmm. C'est une manière de dire que l'IFDZ et ses militants doivent se soumettre comme ils l'ont fait. Oui. Parce que c'est nous qui recevons des enzires. Oui. Nous sommes victimes des enzires. Oui. Même Ella, c'est la victime d'enzires. Beaucoup. Et la victime de calomnies. Oui, énormément. Maintenant, ils vont continuer à dire qu'il a vendu ça. Oui. Il a fait ça. Oui. Il a volé ça. Ah. Hein? Mm-hmm. Il entend ça matin, midi, soir. Est-ce qu'on n'a jamais entendu d'en parler? Mm-hmm. Et il a dit une chose qui est très importante aussi. Mm-hmm. Malgré toutes les enzires là, mm-hmm. aucun de ses collaborateurs ou cadres qui est avec lui mm-hmm. ne répond César d'injure. Mm-hmm. Seulement, ils vont dire que l'IFDZ insiste, alors que le président, et là, c'est lui. C'est un homme. Allez-y dans sa cour. Vous allez voir partout, il y a les photos de Mandela qui sont installées un peu partout. Mm-hmm. C'est qu'il s'inspire de ce monsieur. Mm-hmm. C'est un monsieur qui sait canaliser. Parce que actuellement, mm-hmm. Comme le RPG est dessus, mm-hmm. ils n'ont rien à faire maintenant. Mm-hmm. Ils vont continuer les calomnies. Mm-hmm. Ils vont continuer à opposer les ethnies. Mm-hmm. Ils vont commencer à salir l'image de l'IFDD. Mm-hmm. Parce qu'ils sont conscients mm-hmm. que le prochain président de la République de Guinée, mm-hmm. c'est le président de l'IFDD. Inch'Allah. Il y a des gens tellement qu'ils sont aimés. Mm-hmm. Il préfère mourir que de voir seul au pouvoir. Mm-hmm. Bon. Le monsieur a réussi à calmer tout le monde. Mm-hmm. Et je crois qu'il y a même des gens du RPG qui ont apprécié hier le discours. Excuse-moi, mon frère. S'ils ont apprécié le discours, il fallait qu'ils signalent aussi le fait qu'eux, ils aient reçu des diplômes d'injures, que ce n'était pas normal. C'est ce manque de... C'est pourquoi moi, je ne regarde pas les gens-là. Ils ne sont pas cohérents dans ce qu'ils font. Pas du tout. Ils sont très malhonnêtes. Ces gens-là sont trop, trop malhonnêtes. Et c'est tous des ethnos, je vous l'ai dit. Leur communication, elle est purement et simplement ethnique. Donc, au lieu d'apprécier ce que la personne a fait, quand tu apprécies l'erreur que tu as fait dans ce sens-là, tu le signales. Que, oh, nous autres-là, tel a insulté si on a fait ça. Mais Emouna Falama, tout ça là c'est politique, il ne faut pas les écouter. Parce que c'est eux-mêmes qui disent que les militants de l'UFDG aiment insulter. Mais moi j'ai reçu beaucoup d'injures dans les commentaires ici et beaucoup de vidéos contre moi. Beaucoup de vidéos que je n'ai pas encore regardées. Mais mon mari est tombé sur une vidéo, il m'a dit, mais attends, ça ne se fait pas ça. Vous êtes dans un truc politique, qu'on t'attaque politiquement ou ethniquement. Voilà, puisque si soi-disant tu as attaqué une ethnie, que j'ai attaqué l'ethnie de mon mari, et quelqu'un est fâché parce que moi j'ai critiqué l'ethnie de mon mari. Mais carrément quoi? Mais on est où? Hein? Alors, comme c'était à cause de Damarola, Amadou Damarola l'a dégagé. Il ne sera pas président. S'il veut être président, il n'a qu'à se présenter. C'est ce qu'il aurait dû faire. Ou bien faire comme Mamadi Doumbouya. Quel que soit le Guinéen qui fait comme Mamadi Doumbouya, c'est que tu as copié Mamadi. Et c'est nous que nous, on va garder à l'esprit. Je vais te laisser, mon frère. On va appeler d'autres personnes. Ces gens-là, c'est des malhonnêtes. Tous ceux qui communiquent pour le RPG ici, c'est des malhonnêtes. On t'en a parlé. Allô? Vous êtes dans un combat ethnique. Vous n'allez pas réussir. Vous allez échouer. Vous avez une haine pour Seloudel Ndiallo. Pourquoi? Parce que vous ne voulez pas voir un peu le pouvoir. Ce que moi, je dis là, c'est moi qui peux dire ça. Ça, c'est moi qui peux le dire. Quelqu'un d'autre ne peut pas le dire. Ça, c'est moi. Parce que le Sissoko là me donne l'autorisation de le dire. Voilà. Et concernant Amadou Damaro, je peux l'attaquer. Parce que mon mari est cognaqué. Voilà. Antananali. Maintenant, ceux qui se marient entre eux, c'est tant pis pour vous. Ceux qui sont dans leur truc ethnique là, que votre ethnie seulement, vous êtes mal barrés. C'est ça. Il n'y a pas plus insolent et plus mal élevé qu'un communicant du RPG. Il n'y en a pas. Ils sont dans un cadre de propagande, un cadre ethnique, d'impolitesse, de manque de classe, manque de chic, comme Alpha Condé. C'est pourquoi il a fini comme un chien arraché dans la rue. C'est ça. Dis-moi qui te suit. Je te dirai qui tu es. C'est pas compliqué.
compliqué. Vous voyez ici. Ils écrivent ici, Haïa Subhanallah. Ils écrivent quoi, quoi là. Mais il y a plus Subhanallah que votre nom de chérif. Celle qui a le visage là, on dirait l'ananas. Il y a plus de Vorgondé que celle-là. Et pas même que c'était la copine d'Alpha Condé. Vous avez la bouche. Vous parlez de ça. Vous parlez de ça. Quand quelqu'un a dit dans une vidéo que moi, mon mari est aux États-Unis, moi je suis en France. Mais oui, il faut être cohérent. Pourquoi Genekama ne dort pas avec son mari? Pourquoi vous n'avez pas parlé de ça? C'est ce que je ne comprends pas chez les gens là. Quand tu es contre un truc, il faut être contre globalement. Il ne faut pas être contre parce que c'est ta personne. Voilà. Donc l'appréciation qu'ils ont fait de celui dans l'instant de la comédie, ils veulent toujours faire croire que c'est l'UFDG qui insulte. Tandis que eux sont très mal élevés. Vous avez déjà vu quelqu'un de l'UFDG attaquer une fille comme moi j'ai été attaqué par les gens du RPG. Vous avez vu ça? Les filles là qui communiquent pour le RPG sont mieux que moi. Elles sont mieux que moi. En quoi? Mentalement. Même les hommes là. Elles sont... les hommes qui pleurent devant la caméra. Parce qu'Alba Condé est parti. Ils pleurent devant la caméra. J'ai dit qu'il faut garder les vidéos là pour nous. Donc quand tu dis, quand tu fais des choses, il faut être cohérent dans ce que tu fais. Mais quand c'est ta personne, c'est bon. Quand c'est pas ta personne, c'est pas bon. Mais ça veut dire quoi? Vous avez des filles qui mettent des produits éclaircissants. Elles mettent des faux cheveux. Elles sont dévergondées. Elles sont dénudées. Elles passent par vous pour que moi, on vienne m'insulter. Vous parlez de ça? Que moi, j'ai attaqué les Cognacais. Que mon mari, ouais, je suis mariée à un Cognacais et j'attaque les Cognacais. Regardez-moi la bêtise humaine. Mais c'est mon droit. Je dois critiquer mon mari. Je vais le critiquer. Et pour votre information, il est là. Il est parti il y a un mois. Il est encore revenu. Voilà. Donc les vidéos, je les regarderai. Moi, je ne suis pas pressée. Je les regarderai au moment opportun. Ah ouais, c'est là que vous allez dire que non, la dame, elle est mauvaise. Je ne suis pas mauvaise. Chaque chose en son temps. Donc les gens qui ont apprécié, comme le monsieur vient de dire, ils ont apprécié des conneries. Les gens là, c'est des haineux. Ils ne vont jamais aimer ce Loudalen. Ils ne vont jamais l'aimer. Ils ne vont jamais aimer ces militants. Ils ont tout fait, toute la haine que moi j'ai ça par rapport à ça, c'est à cause de ça. Sinon, si tu veux attaquer quelqu'un ethniquement, moi je suis Sissoko. Si j'ai attaqué le Cognacais, il faut attaquer le Malinké, ou bien. Mais tu laisses le Malinké, tu t'attaques à ma personne, soi-disant, que tu connais ma vie. Mais il fallait parler de la vie de Genekama, parce qu'elle ne dort pas avec son mari. La seule mariée, 10 ans, vierge. Elle est mariée 10 ans, vierge. Vous parlez de ça? Mais vous parlez de ça? Mais vous n'avez pas parlé de ça, pourquoi? Parce que c'est Marie Sissoko. Awana ka yobe Guinée na Guinée yama. Guinée na kame yama. Guinée et na kame yama. Moi je ne suis pas votre ami hein. Moi j'ai déjeuné avec votre Alpha Condé. Tous vos présidents là, j'ai déjà parlé avec eux. Voilà, je n'ai pas d'autre moyen de communication. Ça c'est ma méthode. Il y en a pas d'autre. Vous serez surpris d'être surpris. Inch'Allah, comme vous aimez mettre vos bouches n'importe où, n'importe quand et n'importe comment, les conneries qui se passent dans votre partie communautaire ethnique là, il faut parler de ça. Ou bien, pourquoi vous ne parlez pas de ça? Hein? Ou bien vous prenez les noms peuls tellement que vous n'avez pas honte, vous êtes éhontés comme Alpha Condé, vous mettez les noms peuls sur vous pour venir insulter les gens. Vous avez insulté. Vous avez fait les vidéos. C'est votre frère Cognacais qui est tombé sur une vidéo là, regardez. Il m'a fait le contraire. J'ai dit, c'est bien. Peut-être parce que je ne suis pas Cognacais. Comme vous aimez vous marier entre vous. Et peut-être que si j'étais Cognacais, on n'allait pas me faire ça. Ou bien, ça aussi, ce n'est pas ethnique. C'est ethnique. Sinon, tu vas dire que, hé, toi là, je ne t'écoute pas. Tu es marié à un Cognacais. Tu es folle. Laisse-moi tranquille. Mais pareil que le gars transpirait. Hein? Mais si la même personne s'assoit devant une caméra pour pleurer, hein? Ce n'est pas réglé. C'est réglé quand? On va rappeler quelqu'un d'autre. On va bientôt arrêter, bientôt l'heure de prière. Moi, vous me critiquez. Il faut critiquer les produits, ça, qui communiquent pour vous, là, oui. Il faut les critiquer. Ça, c'est interdit par l'islam. Comment ça va? Oui, bonjour, madame Sissoko. Oui, excusez-moi, vous avez appelé plusieurs fois, vraiment, excusez-moi. Allez-y. Ah, ok, c'est pas grave, c'est normal, il y a beaucoup d'appels. Oui, il y a beaucoup d'appels, wallahi. Ouais. En fait, j'aimerais intervenir sur le sujet du jour, en fait. Allez-y, on vous écoute. En fait, moi, j'aimerais juste dire aux Guinéens, en fait, pour que la Guinée avance, il faut que les gens arrêtent de sortir de là. Les gens sortent de la démagogie, en fait.
Oui. Il y a trop de démagogues dans le pays. Mm-hmm. Et puis, il faut que les gens, essayent d'apprendre l'histoire de la Guinée. Mm-hmm. Aujourd'hui, tout le monde court l'étiquette des ethnocidèpes. Oui. Et puis, les gens oublient une seule chose. En 58, il y a tout ce qui arrive au pouvoir en 58. Ce pourrait être entré au milieu de trois peuples. Mm-hmm. C'est qui a rallié ce Touré? Qui a permis ce Touré à être président? C'est un peuple. Mm-hmm. C'est Saïfoulaï Diallo qui a rallié ce Touré. Oui. Il était ses frères peuples. Il y avait Bali Touré, il y avait Saïfoulaï. Mais Saïfoulaï n'a pas rallié ses parents. Mm-hmm. Il a rallié ce Touré. Touré est devenu président, pardon. Mm-hmm. Aujourd'hui, les gens oublient ça. Oui. Prenez l'exemple, le coup d'État de Diarra Traoré en 84. Mm-hmm. Qui a fait échouer le coup d'État? C'était les généraux Pell qui étaient dans l'armée. Mm-hmm. Mais lorsqu'ils ont échoué, ils ont fait échouer le coup d'État. Mm-hmm. Et Sanaa Conté, il était à Lomé, il était dehors. Qui l'a permis de rentrer? Est-ce qu'ils ont gardé le pouvoir pour eux? Ils n'ont pas gardé le pouvoir pour eux. Mon frère, les gens là n'ont pas honte. Et moi, Yagima. Et quand je vois qu'ils disent que certains mentent, ça me fait rire, quoi. Les gens là me font rire, c'est-à-dire, ce que je remarque, c'est des personnes en tête, comme Ismaël Kondé disait, on les a fait mal à le cerveau, on les parle que de peur, ils n'ont aucun autre débat. Ils n'ont pas de débat. Je me demande quand ça va arriver. Mon frère, je vais vous laisser. Merci beaucoup. Et puis, au niveau de la propriété, je ne sais pas si vous vivez à Conakry, je ne sais pas, vous vivez ici en France, mais je ne sais pas si vous vivez à Paris. En fait, moi, je trouve que Conakry est très mal découpé. C'est très mal découpé. Mm-hmm. Les communes sont énormes. Elles ne sont même pas les entretenir. Vous voyez, même ici en Paris, il y a des difficultés, par exemple. Il y a beaucoup de maires qui réclament que la mairie de Paris les cède. Mm-hmm. Les cède le droit pour rendre propre leur arrondissement. Mm-hmm. Prenez, par exemple, la commune de Ratoma. Mm-hmm. Vous pensez vraiment qu'un maire qui est assis à Ratoma peut entretenir toute la ville? Toute la ville de Ratoma, c'est impossible. C'est compliqué, oui. Moi, je pense qu'on a écrit des vrais lieux de couper, par exemple, en 10 communes. Mm-hmm. 10 communes plus une mairie centrale pour que les maires arrivent à assumer les rôles. Mm-hmm. Parce que la moyenne dont les communes sont documentées, franchement, je trouve que c'est énorme. Mm-hmm. Parce que, après, prenez par exemple ici à Paris, par exemple, mm-hmm. entre le 10e et le 19e, le 18e arrondissement. Mm-hmm. Vous allez faire tout ça en 10 minutes. Mm-hmm. En 10 minutes, vous traversez le 10e, vous traversez le 12e, vous traversez le 18e, vous traversez. Alors qu'à Conakry, c'est impossible. Mm-hmm. Regardez la commune de Matoto. C'est énormissime. La commune de Matoto devrait être normalement découpée en 4 communes pour que ce soit gérable pour un maire. Mm-hmm. Sinon, ça ne pourrait pas marcher. Oui, oui, ça aussi, c'est une bonne idée. Vous voyez, c'est une bonne idée. Peut-être 4, c'est trop, mais découper les communes en 2, c'est pas mal. En 2, ça nous fait. Oui, oui. C'est un peu cas. Regardez la commune. En tout cas, la commune de Matoto, c'est énormissime. Mm-hmm. Ça ne doit pas être une seule commune. Ça devrait être 2 ou 3 communes. Oui, oui. Minimum. Oui. Pour que ce soit durable. Oui, 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 c'est vrai. Mm-hmm. Merci, okay. Madame, c'était tout. Merci, je vous en prie. À bientôt, Inch'Allah. Merci beaucoup. Donc, les gens là, il n'y a pas de cohérence, c'est des comédiens, c'est des hypocrites et des lâches. Ils vont dire que oh, ce que celle-là a dit, c'est vrai. C'est des conneries. Ce qu'il a dit, c'est vrai. Il parle à ses militants, il ne parle pas à vous. Il ne vous parle pas à vous. Si vous avez la bouche, votre Nantou shérif a visage d'ananas là, il faut lui dire, il fallait lui dire que madame, ce que vous avez fait là, Hadja, ça ne se fait pas. Ah, mais vous avez la bouche d'écrire ici, Hadja Subhanallah, Hadja Bismillah. Il fallait dire c'est à cette garce-là que ce qu'elle a fait, ça ne se fait pas. Par rapport à son âge, un, de deux, elle a été à la Mecque. De trois, elle est responsable d'un parti qui est au pouvoir. Quand tu sais, tu as un règlement. Moi, les gens qui mettent le produit, je le suis contre. Donc, je n'en mets pas. Je vais critiquer les gens qui mettent les produits éclaircissants et moi, je vais en mettre. Ou bien je vais me balader avec ce genre de filles. Non, je ne les côtoie pas. Je ne les côtoierai plus, c'est fini.
Parce que ce n'est pas dans mon éthique. Celles qui mettent les faux cheveux, je les conseille. Ne le faites pas, ce n'est pas bon. Je les fais, ce n'est pas bon. Maintenant, je vais critiquer ceux-là. Moi, vous allez me voir avec les faux cheveux. Mais c'est quoi ça? Si vous voulez critiquer les femmes par leur attitude et leur comportement, il faut commencer par votre propre camp d'abord. Pour dire qu'une femme ne fait pas ci, une femme ne fait pas ça. Vous allez ramasser des dévergondés. Vous venez les poser, vous-même qui me critiquez, vous êtes plus dévergondés que ceux-là. Parce que Alpha est dévergondé, il est sale, il est malpropre, il est voyou, il est délinquant, il est vaurien, il est maudit d'Allah et maudit d'Iblis. C'est pourquoi il a fini comme ça. Donc l'affaire est terminée. Mais moi, je vais rappeler ça régulièrement. Moi, quand tu viens sur mon terrain, je vous ai dit, il faut te préparer. Je vais vous traquer, Inch'Allah, jusque dans vos tombes. Vous avez mis ce pays-là en retard. Vous avez participé à dissocier les Guinéens, à les désunir. À désunir, le tissu social était fragile. Vous avez brûlé ce fichu, ce tissu social là avec vos idées mal fichues, sataniques, parce que vous voulez de l'argent. Bon Dieu de bon sang, mais allez-y travailler. Vous passez tout votre temps à critiquer une communauté, à critiquer une ethnie, à critiquer une personne. Vous avez tellement critiqué ce modèle que Lumbuya vous a terrassé. Mais il fallait faire attention à Lumbuya. Sinon, vous l'auriez vu, quand tu es dans un état comme ça, tu as les yeux partout. Mais vous avez eu les yeux rivés, là où c'était moins dangereux. Parce que certains veulent positionner Damaro, un politicien qui attend la mort de l'autre. Mais attends, t'as dit, il faut avoir honte, quoi. Ibn Adam Alam, Iyagi est con. Il est ouem, cohérence sera lui, raouen, yukui. Voilà, ce que celui-là a dit, il a parlé à ses militants, à ses sympathisants, ça c'est son devoir. Pour vous montrer que lui, il est bien élevé, il est bien éduqué, ce que les militants font, les militants du RPG le font pire, pire que les militants de l'UFDG, pire. Mille fois, en illimité même. Ah ouais, il y a un carrière qui s'en vient. Et un carrière qui s'en vient, c'est le dernier temps que vous faites le commentaire. Vous allez me dire que vous m'avez là. Et puis, il n'a pas dit. Moi, je reçois des captures d'écran. Des gens qui viennent commenter ce qui m'insulte sur d'autres pages, ils insultent la maman de Seloudali. Mais là, voilà. Donc, si ce monsieur-là se met devant vous, il veut vous montrer que lui, il est bien élevé. Il n'a pas grandi dans une famille d'accueil ou dans une église, là où les prêtres sont partis le violer. C'est pourquoi votre monsieur-là est devenu homosexuel. C'est pourquoi on lui change ses couches aujourd'hui. Il ne peut pas dormir. Pour s'occuper de lui, c'est ça que la gente là a comme problème aujourd'hui. On lui change ses couches. Vous savez pourquoi on fait ça? Oui. Vous avez bien un film où vous êtes. Vous avez un film. Il faut qu'on sache qui on paye, qui on ne paye pas. Nous, on nous paye et puis notre vie, c'est ça. Hein? Voilà. Il faut faire cela. Mais les filles qui se cachent derrière ces hommes-là pour m'attaquer, hein? Moi, je n'insulte pas quelqu'un. Je ne vais pas vous insulter. Le jour que je vais regarder les vidéos-là, l'année à laquelle je vais les regarder, vous allez voir ça aussi, Inch'Allah. Je vous ai dit que je suis très patiente, énormément patiente, la patience que j'ai et le sang froid que j'ai, mais ni ma stomane comme ma terre, ni mesure ton goût. N'ta mou batare baila ma mekira go, faut ni mesure ton goût. Wata mou bagam mané mekira go, ma mesure ton goût. Awa mesure ton goût de problème que l'on a. Allô? Allô, bonjour Marie. Bonjour, comment ça va? Excusez-moi. Oui, dit. Mais quand on est mort, il est enfant. Mais quand on est mort, il est enfant. 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 Il est enfant
Alpha Condé son groupe de vauriens. Je vous ai dit que c'est des vauriens. Abana Milika Mominemi. Et dans le monore, il y a des gens qui sont en train de se faire. Il y a des gens qui sont en train de se faire. Et dans le monore, il y a des gens qui sont en train de se faire. Dunia baro woto. Emunoma. Emunoma go. Emunoma feu. Legine central boy de ma colonne. Emunoma tin naki. Na prepare mo to bo na ka na ki téléphone yanke. Effectivement. Effectivement. Son truc est coupé. Effectivement. C'est des gens qui se battent pour Damaru. C'est pas pour autre chose. Hein. C'est des gens qui se battent pour Damaru. Ah, mais drabar sa système ma. Dra, à ça on est systématique. Damaro Tangui, c'est fini. Ah, à représenter. Quatre passeports. Le monsieur là, quatre passeports. Pourquoi faire? Celle qui a appelé là, il faut m'excuser de ça. Coupé, c'est pas moi. C'est pas chez moi. J'appelle quelqu'un d'autre. Allô? Allô, Marie? On a dit go, Lusou. Allô, la chérie, t'as encore. Moudia, moudia, on a l'air. Ah, et la directe? Na directe. Ah, maman, on est. On est, on est, on est, on est. C'est Doussou Kaba qui est tout le temps en bas ici, hein? Doussou Kaba, là, voilà. On vous la présente. C'est elle qui parle, là, sa voix. Je suis un peu arrimée, là. Ma costume, elle est réouïe, mais pas fin, fin, là. Bon, je salue. Je salue tout le monde. Tout le monde te salue. Moi, j'appelle juste pas beaucoup là pour t'encourager, pour te féliciter. Merci. Vraiment pour ton courage, mm-hmm. ta patience, mm-hmm. ton bravoure. Mm-hmm. Je te félicite. Je cligne mon chapeau pour toi. Merci. Vraiment. Merci. Et tout ce que tu dis, mm-hmm. c'est-à-dire, c'est la vérité. On voit tout. Mmh. On voit tout ce que tu nous dis là. Mmh. Vraiment, moi je t'applaudis. Bravo à toi. Merci, et les gens là, les gens de l'autre, on va pas les écouter. Nous là, moi je suis membre de l'UFD de Québec ici. Mmh. Donc nous on parle pas beaucoup. Mmh. Et on félicite aussi notre président. C'est là, Justin Ludel est à l'OAT. On est fiers de lui. Oui, vraiment. On est tellement fiers de lui que c'est un homme de la paix. C'est oui. un homme. C'est oui. un homme de Dieu. Oui. Donc, on est derrière lui. Oui. Big up. Oui. Salut tout le monde. Oui. Tout le monde. Gros bisous oui. à toi. Bien, et bien, aussi, merci à ton mari. Mm-hmm. Parce que c'est pas facile. Ouais. D'être sur les réseaux sociaux en tant que marié, puis ton mari est là. Mm-hmm. Les désirs sont vers toi. Aussi. Mm-hmm. Merci à lui. Merci vraiment à lui aussi. Merci à alors toi c'était ça, c'était pour t'encourager. Merci pour ton travail. Merci à toi. La lutte continue, merci. C'est pas alors. Encore fini. C'est pas fini. La lutte continue. Pas fini. Faut ouler regeli ça. Ouler regeli par ça. Mais tellement la mara ça ouler non son aragam. Aragam est embarrassé. Mais ouais mais tellement fou nous faisons mara regeli non plus. Faut on teste, mais on nega. Calati. Non, ni nomma. Non, Donc, moi, en tout cas, j'appelle encore, hein, je vais bien parler en sous pour que mes parents se puissent, j'espère qu'ils t'écoutent. Ils écoutent ce La plupart, la manipulation, contre UFDG. Sur le plan ethnique, mais bon, la Guinée, c'est comme ça. C'est comme ça, la politique est ethnique. Et vous voyez, vous allez comme les racailles, vous allez comprendre. Vous comprenez,
Alors qu'on m'a réinsupporté. Et moi, je ne m'en réinsupporté. C'est les sous-sous. La oui. plupart, c'est les sous-sous. Oui. Et moi, je ne m'en réinsupporté. Et les bêtes, il y en a des bêtes aussi. Et moi, pour le nez, intention, je ne m'en réinsupporté. Et les raouins, il faut rien à multiplier. Ah. Alors, c'est le bel et le faux engrais. Ah, ah. Ah, ah, je ne m'en réinsupporté. Mais. Il y a une fois, 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 oui, tout à fait. Oui. Parce que maintenant, à Colomb, il y a combien de gens qui sont pleins auprès des cellulaires. Mais là, on a Colomb. Oui. Parce que comme tu l'as bien dit, il y a des gens qui utilisent le prénom, le nom ou le prénom pour tel, juste pour insulter. Oui. Juste pour insulter. Oui. Juste pour amener les gens sur le Facebook. Il y en a plein. Maintenant, si toi, parce qu'il y a un nom tôt, il y a un nom de famille. Oh, je suis là. Oui. Mais la plupart des femmes, elles disent ça, ouais, tout. Et là, non, toi, tu es esclave. Oh, mais moi, je ne suis pas esclave. Eh oh. Je suis là de Kimi. Ah. Je suis là de famille. Moi, je suis tout seul. Il y a pas qu'il est là, esclave. Et c'est-à-dire que c'est juste pour te déstabiliser. Alors, c'est où elle rentre pour la fille. Ah. Et riba, là-bas. Ah. Mais les Guinéens, ils ont fait qu'est-ce que les Guinéens font? Car, ils ont dit. La Guinée, on a un problème de remplir une couille qui m'a dit qu'elle n'a pas de la haine. Elle n'a pas de la haine, elle n'a pas de la haine, elle n'a pas de la haine. Tout à fait, oui. Maninke, elle a fait un rôle et puis elle a intérêt à mon fait que moi, je n'ai pas là. Oui. Mais elle n'a pas de la position, faille. Et moi, je n'ai pas de la position. Maintenant, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ah, on n'a pas de la haine. On n'a pas de la haine. Les gens, j'insulte sur les réseaux sociaux.
Oui. Donc, le Guinéen ne dit pas la vérité. Merci beaucoup. Isouma. Ma maman, c'est là. Merci beaucoup, ma chérie. Bon, voilà ce que la dame a dit. C'est comme ce que j'ai dit. Hein. Voilà, les gens là, c'est des ethnos. Il ne faut pas les écouter. C'est de bon à rien. Maintenant, ce que je vais dire aux gens, ce n'est pas des gens qui sont spécialement écoutés. Ces gens-là ont détruit Alpha Condé. C'est ça la vérité. Si vous voyez aujourd'hui, ils s'acharnent sur Janet Essa, c'est parce qu'ils ne veulent pas qu'on voie le côté de Damaro. Voilà. Parce que Damaro qui s'est mis que le Konya n'a pas peur de la guerre, lui n'a pas peur de la guerre, au lieu de dire que lui n'a pas peur de la guerre, il dit que le Konya, c'est-à-dire ils mettent leur communauté en danger. Maintenant, ceux qui m'attaquent, comment j'ai attaqué les Konyakés, vous devez attaquer Damaro. C'est pourquoi vous rendez compte que les gens là, ça. Erreur de Mouna, ça ne va pas dans leur tête. Parce que la personne qui a accusé ta communauté, c'est à lui que tu dois t'attaquer. Moi, j'ai mis un vocal. Comme je mets le vocal du monsieur là qui parle du teint noir. Vous devez attaquer ce monsieur là, pas moi. Moi, il a validé ce que j'essaie. Et on nous a amené un teint noir. Je compte sur certaines personnes, les grands commerçants et tout, pour régler l'affaire de produits éclaircissants, là, les faux cheveux et tout. Il faut vraiment, vraiment nous aider pour ça, progressivement, pour qu'on arrête de vendre ça dans un pays musulman. Celle qui n'aime pas ses cheveux-là, tu n'aimes pas ton teint, tu te couvres, c'est pas compliqué. Parce que c'est les faux accessoires-là qui vous font faire des faux trucs. Et maintenant, va qu'on est nous, nénara. Vous parlez, les RPG, pourquoi vous dénoncez pas ça? Pourquoi vous ne parlez pas de ça? Il faut parler de ça. Ou bien, au lieu de parler de moi, parlez de ça. Là, on va comprendre que vous n'êtes pas dans un cadre ethnique. Mais quand vous êtes dans un cadre ethnique, s'il y a des apatrides, c'est vous. Votre Damaro, Ahmad Damaro, il a 4 passeports. Il fait quoi avec 4 passeports? Il fait des réunions tout le temps. J'attire l'attention de tous les Guinéens. Damaro fait toujours des réunions ethniques chez lui. Ahmad Damaro, là, fait toujours des réunions ethniques chez lui. Mais on va t'arrêter. Et puis tu vas te calmer, Inch'Allah. Amen. Tiens. Omo gere kolo wa folo fene omo sese ya kolo khay khanon di lu mere ko ma. Si tu as raison sur quelqu'un, tu es sur la vérité, quelle que soit sa force, il va tomber. Le mensonge n'a jamais terrassé la vérité. Il faut que la vérité soit patiente et endurante. C'est tout. Mais comme les Guinéens n'ont pas cette patience et cette endurance, c'est pourquoi des bonariens comme ça là sont restés ici à raconter des sottises. Certains, Damaro, certains, Yane, certains, Kassouri, chacun a son groupe. Ils sont tombés, nous tous. Mamadi les a fait tomber. Notre Mamadi qui a le teint noir, teint propre. Bachir aussi, bébé. Merci à toi aussi. Bon. On va écouter ça et puis on va se quitter. Et bientôt l'heure de la prière. Les Nantou Shérif, des bandits saletés comme ça, une vieille bandit saletée. Mais il faut parler de celle-là. Au lieu de parler de moi, parler de Nantou Shérif. Ou bien. Et moi, tu es tombé dans le cœur, mais quand critiquer moi. Ce que Dalen a fait, c'est normal. C'est logique. Combien de personnes ont lancé des appels ici?
Alpha Condé, il faut faire en sorte que les injures cessent sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce que le RPG a fait par rapport à ça? Qui? Personne parmi eux. Dalen, lui, il l'a fait. Voilà. Ça veut dire que si jamais ces militants le font, lui ne le cautionne pas. Mais si vous avez donné des diplômes aux gens, ça veut dire que c'est vous qui commissionnez ces gens-là. Et les militants de l'UFDG, quand il y a un truc qui ne va pas, ils le montrent. Ils le disent. Ils attaquent même leur cadre. C'est cela aussi la démocratie et la politique. Vous, quand la dame l'a attaqué, Gagné, on l'a foutu dedans, non? Que eux, ils connaissent la politique. On vous a fait grandir dans la propagande que vous connaissez la politique. Toute votre communication là, voilà. Qui va écouter des gens comme ça? C'est-à-dire, communicant François Hollande d'Aré. À département sans faillite, il est français, il est français, il est voté. Mais non, il est voté François Hollande d'Aré. Mais Je vous laisse. Ah, Tata Hélène appelle. Tata Hélène est en train d'appeler. Allô? Allô, Marie? Oui, Tata, comment ça va? Ça va très bien. Salut tout le monde. Salut, Tata. Moi, j'ai pas grand chose à te dire. C'est juste te dire d'arrêter de prononcer le prénom de Tamaro. Je ne sais pas si c'est ton nom ou son prénom. Sinon, ça ne te porte pas bonheur. Donne-lui un nom. Bon, ok, Amadou Damaronien, on va l'appeler le mécanicien. Le mécanicien, c'est parce mieux ou pas? Moi, j'ai appelé l'ancien locataire de Sectouréa, Simba Gori. Ok, Simba Gori, ça c'est Alpha. Donc, Amadou Damaro, voilà. Amadou Damaro, on va l'appeler le mécano. Nafanga Namoufa. Voilà, ça, le mécano. Bon, le mécano. Ne prononce pas comme prénom. D'accord. Malheur. Et puis, ça parle malheur. Et non, Digo. Tata, merci voilà. Beaucoup. Bon, en ce qui concerne Seydou Dalen, c'est quelqu'un de responsable. Il s'est adressé à ses sympathisants et à tous ceux qui l'aiment d'arrêter d'insulter. Oui. Mais n'oubliez pas que Alpha Condé avait légalisé et signé les injures à Guinée. Oui. Parce qu'on a vu des gens qui ont reçu des diplômes. Oui, pareil. Par rapport à ça. Oui, effectivement. Voilà. Donc, si Seydou Dalen s'est permis de le dire, c'est que c'est un bon musulman, quelqu'un qui a bon comportement, qui se respecte, mais n'oublions pas que les RPG utilisent les noms des peuples pour insulter, s'insulter eux-mêmes, parce qu'ils s'insultent. C'est pas les peuples qui insultent. Ils s'insultent eux-mêmes. Ils se font passer par des peuples pour insulter les RPG. Comme ça, pour les RPG, c'est les peuples qui sont en train d'insulter, alors que c'est pas eux. Mais tout ça, c'est Simba Gori qui a signé et légalisé les injures. D'accord. Donc, nous pouvons nous permettre de l'insulter jusque dans sa tombe. Ouais. Donc, de toute façon, moi, je me porte volontaire. Quand Simba va mourir, il n'y a pas de place pour l'enterrer. On va l'incinérer. Vous me remettez la boîte dans laquelle se trouve sa femme. Moi, je ramène ça au Burkina Faso. D'accord. Je paye mon transport de Paris-Conakry, Conakry-Paris. Burkina Faso, vous me payez le transport pour aller au Burkina et l'hôtel.
problème. Ceux qui ne veulent pas entendre ça, qu'ils aillent boire de l'eau, j'en ai rien à foutre. C'est une belle espèce humaine. Oui. Voilà. Voilà. Merci à toi, Marie. Merci, le combat, merci. Il est noble. Tu es une femme digne. Oui. Qui te bat pour ton peuple. Oui. Tu es mon compatriote deux fois. Oui. Alors, vive la République, vive ces Louganais. On s'en fout des aigris. Les vies des femmes qui pleurent, les vies d'Anna de Londres. Tous les jours, elles pleurent. Parce que je ne peux pas dire ça, moi, je ne veux pas de malheur. Elle s'appelle Lady Gaga, guinéenne de Londres. Il y a un autre aussi qui fait Cuba. Lui, il est remonté plus que n'importe qui. Il me raconte n'importe quoi. Hier, je l'ai vu insulter et m'a dit, mais si les hommes, il n'a qu'à aller là-bas. Non, on va prendre des dispositions contre ce genre de choses. Fais Baramassara Halati. On est dessus, on est dessus, Halati. Merci voilà. beaucoup, Tata. C'est Tata Kadiatou. Qui est souvent merci en bas à ici. Vous. Et puis voilà. Bonne soirée à tout le monde. Merci, merci, merci. À merci bientôt, à ma jolie douce qui a intervenu. Je suis tellement fière d'elle. Elle a bien J'attends l'intervention de ma Fata Gamila aussi. D'accord, d'accord. À bientôt, Inch'Allah. J'espère que vous voilà. Merci à tous. Merci, merci, Tata. Bakari Kondé, comment ça va? Ok. À bientôt, Inch'Allah, peut-être demain ou après-demain, je ne sais pas quand. Voilà, donc si vous êtes contents, ceux qui sont contents pour l'intervention de Selou Dalen, ça veut dire que lui, il ne valide pas les injures, qu'il n'est pas pour, et il conseille de ne pas répondre aux injures. Voilà, donc ceux qui sont contents parce que Selou Dalen a dit ça, il ne vous parle pas, il parle à ses militants et à ses sympathisants. Si vous êtes du RPG, vous êtes sympathisant, RPG, arc-en-ciel, peu importe, à ce moment-là, votre dame qui a le visage d'ananas, la Nantou Chérif, cette vieille peste-là, il fallait faire une vidéo contre elle pour dire que cela ne se fait pas. Arrêtez d'être hypocrite et lâche. Votre lâcheté et votre hypocrisie en train de se présenter tout seul. Je vous dis, on n'a pas besoin de faire une vidéo contre quelqu'un pour dire que la personne est menteur, menteuse, hypocrite, lâche. Ça va se présenter tout seul. Donc, l'autre monsieur-là qui voulait rêver d'être... président là, soi-disant président de l'Assemblée là, lui il s'appelle le mécano, mécanicien, attends, mécanicien Nara, Tangrinana qui sont, on ne dit plus son nom, hein, on va l'appeler le mécano, le mécano et ses apprentis mécaniciens. Pareil que les apprentis mécaniciens, j'ai dit aux gens, nous on veut les vidéos là, vous allez les coller après, les rassembler, les pleureurs, yarago, il y a des gens qui peuvent pleurer comme ça là en public, surtout les hommes, non, yagi Nara. Mamadi Doumbouya, merci beaucoup. Même si quelqu'un refait ce que tu as fait, tu as été le premier à faire. Je pense que c'est ton teint naturel noir qui donne la force. Je vous ai dit ça ici, que le teint noir, c'est la force. Allah aime le noir, vous n'avez pas compris. Les décapeuses et les décapantes et les décapations, nous allons interdire tôt ou tard les produits éclaircissants en Guinée. Maintenant, je lance un appel aux panafricanistes. Ça doit être votre combat. Au lieu de vous accrocher au président africain que vous n'arrivez pas à terrasser ou à apporter quoi que ce soit, battez-vous contre vos soeurs là, sensibilisez-les. Ça, c'est le signe de la force. Ça, c'est le signe de l'africanité ou d'africanisme, je ne sais pas quoi. Tu es panafricaniste, tu as des éclaircissés, des décapés dans ton groupe. Il faut parler de ça. Ça aussi, c'est important. Au lieu de vous attaquer aux femmes qui sont naturelles, aux femmes qui sont pour la vérité, et même si je suis pour le mensonge, au moins pour moi, c'est gratuit. Et je suis naturelle. Par la grâce d'Allah, mon joli beau petit nez, c'est ce que Allah a voulu. Mes beaux yeux, vous voyez mes yeux comment ils sont, sans fossiles, c'est ce que Allah a voulu. Mes belles petites lèvres roses, c'est ce que Allah a voulu. Mes dents superposées là, c'est ce que ça aussi il a voulu. Donc c'est comme ça, et puis c'est tout. Ceux qui ne sont pas contents pour l'affaire de Mamadi Doumbouya, vous pouvez redemander l'asile politique, puisqu'il y a plusieurs parmi vous qui n'ont même pas demandé l'asile politique par rapport à la Guinée. Vous pouvez redemander encore, on va vous augmenter, vous donner la nationalité dans un autre pays. Ça aussi, c'est possible. Au moins, ça ne sera pas sur du mensonge. Nere Birin, la Guinée dit Bira fait beau, les réseaux sociaux. C'est fera, si fera, bon, c'est fera, fera. Vous foulez la Nyarumere, vous cellulez le corps, bitongo, wassoama. Alpha Condé, Yerabi n'a pas store, Yerabi mondial universel n'a pas store, Alarawa modèle de réseaux sociaux. Ne rétime à mes rétames, on ne ramène tout.
et quand combien quand nous sortir rouler sans gomme mara mebi parce que mara mebi rater donc nous voulons faire autour nous on connaît qui autant mieux qu'elle a été perdue alors aura perte officialisé alors alpha condé be officialiser canari alors où y a ta game assez où le boumane kono fonon di wule dugam fonte sa wule mabbe naga mara wule tan na yare bi go kono khalati ala na kan wonda na na khati na kan wo so ndo ma fe wo mu wo nyane ke ma fe nu wo mboya ma fe nu wo khagal ma fe kolo kana sati fonte sa wo fam no vanga khalo wo boro kaburi ku fon goro ko wo fora nte sa wo manti khalati parce que wule tan mono ma don di dugande fefema mi kana kan ala wa wa fe da ba ala wa on fere ba mane ina sentane wa on fere ba sentane wa on fere ba mane sentane nu ngule nara amun firin kafu amun munafagia amun nafria amun yamfantea woti alfa konde kambira ala wona alfa konde na malifi ya ha go na kamedi detruire fene yamfantea ku awa bana min nara a bientôt ya des têtes de mort qui sont là vous êtes venus en retard mes chers frères sœurs têtes de mort là la prochaine fois comme hier faut venir plus tôt merci à tout le monde. Merci, 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 merci. Moi, j'aime les pulls. J'aime cette culture. Je les aime. Voilà. Pourquoi vous les détestez? Ça, c'est votre problème. Ce n'est pas le mien. Plus vous les détestez, plus moi, je les aime. Et moi, par la grâce d'Allah, je suis toujours du côté qui va gagner. Je vous ai dit, je me mets sur des terrains glissants et je ne tombe pas par la grâce d'Allah. Parce qu'ils voient ma volonté, ma foi, ma volonté. Cette communauté a subi beaucoup d'injustices. Qu'on le dise ou non. Énormément d'injustices. Et tant qu'on m'a dit mes réseaux sociaux. Donc, ils sont sur la défensive. Il faut qu'ils cherchent à se retenir. Il faut qu'ils fassent un travail là-dessus. Pour que vous ayez le bois, 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 vous ayez le bois. Alpha Condé Tamaravé, ou bien un mot, Kalati, ou bien un mot. Celui qui appelle là, l'a tellement appelé, je vais le prendre, je suis désolé, là, beaucoup appelé. Allô? Allô, Ndara Mari, Inouali. Inouali, Inouali, car moi, je ne vais pas la réalité, hein, Wallahi. Ali, mané, mre. Ah, Ndamba, Kadem, Atadati. Wallahi, raqueto, raqueto. Je suis là. Moi, pour les palais, je suis là pour les palais. Je suis là pour les donc, je suis là pour les palais. 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 Donc, il y a un qui dit, il y a un peu de temps. Éducation et barre de mort et mort de Narandi, Nandi Fari. À partir n'a pas manikena la araba mana wal mana fangira c'est que ina am palape yi ka pri non dinara ne to na ki etni pe depi na lo et na di to ma nya na balo mane tu vois non donc réellement c'est déjà et non to wa na am palape ya di me de écouter mais le na am pan et na yi men yi me de na ga e na ga la pe e na ga pe parce que na pe yi ya gina ro ntape
Non, je ne sais pas si je suis en train de faire ça. Merci.